Ces trophées européens et nationaux. Et ils sont ralliés autour de Corse avec des victoires. Des belles performances en 1982 et 1985 pour le pilote français Jean Agnotti. 275. Que l'on avait vu aussi donc réalisé en 2014 un succès. Différents exemplaires qui sont avec nous. R5 Turbo pour la petite distance. Thank you.
monde pour être ici. Le club privé temporaire de Istres, il s'appelait. Clio RSE, c'est une voiture exceptionnelle que nous avons faite pour célébrer à la fois les 40 ans de Renault Sport, puisque c'est cette année, et le retour de Renault en Formule 1. Alors, très simplement, il s'agit de mettre le moteur de la Mégane RS dans la Clio RS. 275 chevaux dans une citadine, c'était une petite gageure et je crois qu'on a réussi une belle voiture. C'est l'héritière des voitures un peu mythiques qu'on a faites, comme la R5 Turbo, la Clio V6, le Speeder. C'est une voiture vraiment extrême pour un plaisir de conduite maximum, une performance maximum. Donc on est bien dans l'esprit de Renault Sport. On fait d'un côté des voitures Clio RS, Mégane RS pour des clients passionnés mais qui peuvent l'utiliser au quotidien. Et puis de temps en temps, on fait des voitures un peu folles comme la Clio V6 dans le temps ou la Clio RS 16 aujourd'hui. The Clio RS16 was quite impressive to have 275 horsepower on a front-wheel drive car that small and still be okay when you go on power. It's pretty impressive, and they've obviously done a good job to drive this car around the streets of Monaco. Is obviously you can't have a better way to celebrate this special case that 40 years of Renault Sport is in the streets of Monaco with this special car. It's pretty cool. La nouvelle Clio RS16 est une voiture qui, d'après moi, devrait avoir des performances assez extraordinaires. Ça va être un bond en avant très important. Je crois que ça va être quelque chose de très intéressant pour Renault Sport. J'ai une famille, ma femme et mon fils, et ma deuxième famille, c'est Renault. C'est Renault parce qu'il y a tellement longtemps que je suis avec Renault. Mes premiers contrats professionnels étaient en 1977, et aujourd'hui, en 2016, je suis toujours avec Renault, donc très très content d'appartenir à cette belle famille.